Hello! Hello! On se retrouve samedi 5 octobre. Il est 9h moins 10 et c'est le 12e jour. On se rapproche vraiment de la fin. Il nous reste en tout 3 jours entiers sur les parcs. C'est ça? Ouais, Bah c'est oui, ça. 3 jours entiers sur les parcs. le dernier Et jour à après une Disney dernière Spring. journée, on ira à Disney Springs. Parce qu'on a le vol le soir. Donc voilà. Donc là, ce matin, direction Epcot. On a des fast-pass. On a 3 fast-pass et ils nous en ont donné en plus. Deux à l'hôtel. Ouais, parce qu'on a eu quelques petits problèmes avec la clim. Donc, on dit, bon, allez, vous avez perdu du temps. On vous le donne. Bon, c'est pas Epcot que j'aurais préféré, mais c'est pas grave. On fera soir 1, c'est cool. Et on pourra refaire encore test pour tester chacun. Hein? Ouais, totalement. Attends, je reste là du coup. Il y a du monde. Il arrive à combien de temps? Du monde, oui. Il arrive à quelle heure? Paniqué. Oh! Use the skyline road. Ouais. Bon, on se demande s'ils mettent pas moins de bus en fait pour Epcot depuis qu'il y a le Sky. C'est chaud. Bon. En plus, bon, j'ai un café, il est bouillant, 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 je me brûle les doigts. Mais mets-le là. J'ai chaud. Oh. Maintenant, on va aller là-bas. Bon, on se retrouve. Et voilà la voiture de Matt. Oh! On verra son score. Test to see how your vehicle designs perform under challenging weather and surface conditions. Monitoring road surface. Connecting to OnStar. Ah, mais si. Capability test results displayed and verified. Now let's see how your vehicles compare when it comes to their efficiency. Avoidance technology disengaged. Displaying responsiveness data. Here comes the final test. Energizing for power test. Et au classement final, pas mal du tout, pas loin devant le premier. Ensuite, on a fait Mission Space. On l'a refaite en orange. Bah, toujours aussi impressionnante, hein. C'est vraiment une drôle, drôle de sensation. Et là, dans 2 minutes, on va aller faire The Seas with Nemo. On l'avait fait une seule fois, 2 fois l'année dernière, et là quand on avait du passe-passe de libre, on l'a prise. Hop! Ça peut y aller ou pas là? Ça, je vais faire. Hop là! On est dans notre petit coquillage! Is he orange, white?
white stripes. It looks kind of like you, only smaller. Yes, have you seen him? Seen who? Hi, I'm Dory. Games? I love games! Ooh, I'm thinking of something pink and bouncy that looks like a balloon! Ah, jellyfish! What a gift for a little bite! Oh, what a gift for a little bite! Welcome to the EAC! Gorgeous offspring! Awesome! Je ne m'approcherai pas plus, quoi. C'est mort. Là, tu vois déjà la personne devant. Je me mets derrière toi. Ils sont fous. Ils sont fous, ces petits. Je comprends pas qu'ils aient pas peur. Mais ça, c'est en plastique. Non, mais même, il a vraiment une sale tête, tu vois. Ah, il y a un truc, du coup, pour jouer, là. Pour les enfants. Le petit monorail va passer. On va l'emprunter après, par le Polynésian. Voilà, on se retrouve du côté de l'Angleterre, où on va manger un fish and chips. Et on tenait à remercier énormément Cindy et Dorian, parce qu'ils sont rentrés en contact avec nous, en fait, hier. On a un peu échangé et tout, et ils nous ont très gentiment proposé en fait un quick service pour ce midi, parce qu'il en restait, et ils partent ce soir pour Universal. Donc, très gentil, c'est... très agréable, on a passé un moment à discuter avec eux. Ouais, on a passé pas mal de temps, plus d'une heure et demie, non? Ouais, une heure et demie facile, hein, à parler avec eux, ils sont super gentils. Donc, de toute façon, si jamais vous voyez cette vidéo, bah, encore merci, merci beaucoup, c'est vraiment gentil, parce que vous étiez vraiment pas obligés, c'est très très gentil à vous. On se verra peut-être en Belgique, après tout. Oui. On habite vraiment à côté, hein. Maintenant qu'on sait qu'ils aiment bien la bière... Et la sangria, j'ai retenu. Donc voilà. Bon, on vous dira comment on a trouvé le repas. Après, on fera un petit tour, on ira faire soirée et on rentrera. Ah non, on doit aller à... On doit aller au Polynésian, après on doit aller voir des gens à Animal Kingdom. On n'est pas prêt de rentrer, c'est Camille hein, aujourd'hui. On se reposera dans l'avion. Hein. Allez. Bon bah... Salut. Attends, je rallume la caméra, je vois pas. Voilà. Santé. Bah, à votre santé, hein, du coup, et encore merci pour merci le repas. Je vais filmer quand même, j'ai même pas filmé. Petit souvenir d'Angleterre, ça nous rappellera le petit séjour là-bas. Il fait toutes les tables en attendant un truc. Attends, faut pas qu'il me touche parce que je vais en avoir peur. Je vais juste le ramener. Allez, mais monte après. Non, petit. Il est où? Pourquoi il veut pas venir vers nous? Il est trop beau. Choubi, c'est décidé, quand on rentre, on adopte un écureuil.
Il est trop mignon. C'est vrai, la dame aussi, elle se marrait parce qu'elle se demande, mais vous avez déjà vu ça, vous? L'écureuil qui se met à plat. Il se fait comme notre chien, en fait. Quand il mange un truc tranquille, il se met limite. Je sais pas comment expliquer. À plat comme un crapaud? Ou à plat? À plat. Complètement à plat, les deux jambes de derrière à plat, c'est trop marrant à voir. Tiens, je suis venue, ma frite. Allez, tiens, je sais pas. Il est même pas là. Ah oui, il est sur l'autre. Mais non. Appelle-le. Allez. Allez, il faut pas des frites. T'as pas mis du vinaigre au moins dessus? Allez, donne ta frite. Elle a la web. Bouge pas tes pieds. Il est trop beau. Oh, c'est trop mignon. Mais ça peut manger des frites, un écureuil. Le pauvre, ça se trouve, on va le rendre malade. Mais il a l'air d'aimer. Il est trop trop mignon. Choupi, mets-le dans ta poche. Ouvre le sac à dos. Il fait toutes les tables. Il est tranquille. Après, il va aller chercher de la glace, du pop-corn. Hein? Non, les fesses tranquilles, il va partir. L'écureuil, un ninja. Ne mange pas les doigts parce que je suis en Afrique. Hein. Il est trop mort. L'autre, il est en train de se marrer. Écureuil, écureuil. Homme de bague. Non mais regarde, s'il te plaît. Est-ce que c'est normal? Non mais c'est flippant en fait quand tu vois la taille. Oh le monstre. C'est énorme. Hein? C'est flippant quand tu te mets devant. Il n'y a que mes yeux qui sortent, quoi. Une valise ici. Une valise. C'est une glacière quand tu me cours. Voilà. Il est vraiment en train de là. Tu vas réussir à descendre sans sauter? D'ailleurs, t'as beaucoup de place, mais ça a l'air très très raide. C'est peut-être qu'une impression, hein. Mais le coffre, il fait rêver. Imaginez là toutes les valises qu'on peut mettre. Et dès que tu vas faire les courses, tu jettes tout là-dedans. Oh là là. C'est énorme, la taille elle est énorme. Derrière le pick-up du coffre. Il y a que ma tête qui sort en fait. C'est impressionnant. Va te mettre devant. Va mettre ta tête. Vas-y. Attends, je vais juste filmer à l'intérieur. Attends, je prends pas la. Je mets juste la. Attends. Non, it's ok. Vous voyez ? Y'a que la peine qui sort. On quitte la boutique. Il fait chaud dehors. Mais là, attention, parce qu'il commence à avoir des nuages. Attends, De la pluie. Mais il faut 5 minutes qu'on est là. Alors, combien ça coûte ce truc? Vous pouvez mettre de l'eau dedans. Et même sans eau, ça fait du bien. Hein? Il marche bien, hein? Ah, 150$. Allez, combien? 15? Je sais pas, moi, je sais pas dire à peu près. C'est 15$. Je sais pas. Ah, faut mettre deux piles. Là, tu crois que ça se recharge en USB? Et si tu mets ça à la place de l'eau, ça fait quoi? Oh putain. T'en as d'autres, des bonnes idées comme ça? J'en ai beaucoup avec ça aux poussettes aussi. Oui. Non, mais même pour Halloween, c'est sympa. Tu mets ça, ça s'allume. Attends. Je sais qu'on l'allume. Oh, y'en a aucun. Ah, par contre, Jack, j'avais jamais vu.
pas, ce que je vais faire ne marche pas. Mais on voit pas. Il y en a qui mettent ça autour de leur cou pour Halloween, c'est chouette. On aurait pu prendre ça pour mettre en guirlande dans la chambre. J'ai oublié, c'est pourquoi qu'on va au Polynésian ? Pour se promener. Ah d'accord. Pour aller voir la boutique. C'est tout. On se retrouve, il est déjà 17h30. Parce que finalement, bah oui, après du coup avoir mangé, on n'avait pas du tout cogité, mais ce matin on avait eu des fast-pass, deux fast-pass gratuits, oui gratuits, mais pour usage, enfin pour utiliser où on voulait Epcot sauf Frozen, parce qu'on avait eu un problème dans la clim, dans la chambre, avec la clim qui mouillait un peu la boquette, donc on nous a donné, et c'est vrai qu'on n'a pas du tout pensé en fait à leur proposer en fait gentiment, ils nous offrent un repas et on n'a pas du tout cogité à ces fast-pass, donc dès qu'on y a pensé, on leur a envoyé un message, donc on s'est revus après, ils ont fait une attraction et on a encore parlé une bonne heure et demie en fait, je crois. Ouais, bah, donc c'est pour ça, du coup après, on a pris un bus à Epcot, on s'est rendu à Animal Kingdom, parce qu'à l'entrée, on avait rendez-vous avec une dame pour encore faire un échange de pins, on va bientôt l'avoir notre collection. Il nous en manque encore 3 sur 2 collections entières. Et... Non, elle n'était pas filmée. Et après, du Animal Kingdom, on a pris un bus pour le Polynésian. Voilà, c'est ici qu'il y a le resto Loana. On avait mangé l'année dernière et c'était délicieux. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est vraiment très très bon. Très copieux, mais très bon. Et en plus, nous, on avait réservé une certaine heure de façon à ce qu'on ait le temps de manger. Et ensuite, on était sortis sur la plage du Polynésian pour prendre des photos. Parce que c'est beau quand même. Pour voir le feu d'artifice de Magic Kingdom. Ils ont une superbe vue sur la plage. Donc il y a beaucoup de monde, tout le monde s'y met, mais c'est très très beau. Et en plus, ils te diffusent dans les haut-parleurs la musique. Je me trompe pas, il y avait la musique, non ? Ouais. Et c'était vraiment chouette. Ben voilà. Oui, donc qu'est-ce que je disais Oui, donc le Anna, faites-le si vous pouvez. Par contre, vous ne verrez pas Lilo et Stitch. Hein. Je sais qu'ils viennent, mais je ne sais pas quand. C'est le matin qu'ils sont là? Au petit déjeuner? Ou peut-être que Lilo ou Stitch? En fait, je sais pas. Il y a des personnages, mais je crois que c'est que le matin, le soir, ils n'étaient pas là. Et j'étais dégoûtée. J'avais sorti toute ma panoplie Stitch et tout, parce que je pensais que j'allais le voir. Mais pas du tout, il n'était pas là le soir. Bon, ils font une petite animation avec les enfants et tout, avec des noix de coco, c'est très marrant, ça vaut quand même le coup, même s'il n'est pas là. Vous le verrez plus tard dans le parc. Et donc cet hôtel, en fait, c'est un des plus beaux, hein, qui donne, en fait, juste en face Magic Kingdom, parce que quand on a Magic Kingdom au dos, à gauche, il y a le Contemporary, en face, le Grand Floridian et le Polynésian. Donc eux, en bateau ou en monorail, ils sont très très rapidement à Magic Kingdom. Et ça, c'est le hall d'entrée. Tu veux faire une photo ? Ah ouais, je veux bien faire une photo. Allez. Parfait. Et du coup, moi, je voulais juste venir là pour ça. Mais puisqu'on est là, pourquoi on se prendrait pas un petit lapou-lapou ? Pour rafraîchir tout ça. Je voulais mon cocktail l'année dernière, le lapou-lapou resto. Finalement, je me dis non, parce que j'ai pas soif, je vais pas boire. Je bois pas beaucoup ici, à part de l'eau. Regardez la boutique, comme c'est génial. Tout dans le thème. Et on vient de faire une photo. On a eu un cognac. Moi, si on pouvait le garder, ouais, il nous laisse en fait, il nous donne. Bah oui, ça fait plaisir, bien sûr. Cette collection, elle est magnifique. Vous la trouvez dans les hôtels et les parcs, elle est splendide. Mais vraiment. Tiens, le plateau, je l'avais même pas vu. Surtout la carafe, oh là là. Regarde, le plateau, on l'avait pas vu. À chaque fois, on voit un truc différent dans les... Il est en bois celui-là ? Ouais, mais il est magnifique. Il est très joli. Non mais l'ensemble est magnifique. Et ça, on va acheter une valise. Je crois que l'année prochaine, ouais non mais vraiment je vais venir sans rien, je vais repartir avec la vaisselle. Elle est splendide au fait, vraiment. Regardez même la déco et tout. Oh Stitch. On va aller piquer la peluche discretos. Enfin voilà, bon je vais pas trop finir parce qu'il y a beaucoup de monde. Un peu par là. Et on se retrouvera avec le lapou-lapou. Et ma carte postale. Regardez, c'est une noix de coco de Walt Disney World. Et, attendez, ça bouge dans tous les sens. On peut faire un message. Et ça part vraiment, regardez, il y a une étiquette. Vous recevez la noix de coco à la baraque. Oui. C'est génial, mais génial. Je sais pas combien ça coûte. Hein. Mais je trouve ça génial. Hein ? C'est pas super original, t'imagines ? Il y a quelqu'un qui reçoit ça chez lui.
Hein? On fera une farce. Terrible. On s'en fout, une farce. Il va l'acheter. Mais faut pas l'acheter. C'est pour ça que je vais l'envoyer à personne. On va que ça arrive à la poubelle. Je vais l'envoyer à moi. Elle est très très chouette, leur boutique. Très très chouette. Beaucoup beaucoup de vêtements. Ah bah je crois qu'il y en a une autre dehors. Ah, il n'y en a pas une autre là-bas? Bon, on va pas filmer tous les vêtements. Aloha! On va changer la réservation l'année prochaine du Animal Kingdom Lodge pour venir aux Polynésiennes. Il y a un argument... Non mais là c'est trop! T'as vu, il y a un bacon de chocolat, du bacon. Ouais, j'avais pas vu que c'était du bacon. Oh non mais ça, c'est peut-être dégueu, mais c'est tellement beau. Eh, tu sais, tu peux te prendre une barrette aussi de ça si tu veux tester pour t'emmener. Hein. Oh, c'est trop choupi. Du coup, Matt, c'est plus le petit, le petit Stitch. Franchement, ça a pas l'air bon, mais il est tellement beau. Du coup, tu vas le ramener comme ça, t'as pas le droit de le manger. Et comme on était au Polynésien, je me suis pris un Lapu Lapu, qui est la dans l'ananas, la fameuse boisson d'ici. L'autre fois, quand on a mangé au Hana... Non, mais ça se remplit, regarde. Quand on a mangé au Hana, bah oui, je vous l'ai dit juste avant, je l'avais pas pris. Mais ça fait un an que je regrette. Et là qu'on est là, Mathieu dit, allez, vas-y, prends-le, on a le temps. Ok. Mais je crois qu'il m'a... il a pas osé dire non, parce qu'il s'était fait son Stitch. Sinon, monsieur, est-ce que tu peux finir l'ananas là? Tu parleras plus tard. C'est très très long en fait à être servi. Mais bon. En même temps, ils racontent leur vie. Comme ça. En fait, il y a beaucoup de monde, on sait pas trop s'installer, on va peut-être aller par là. Parce qu'au bar, c'est plein. Ou alors on doit rester là, mais on est debout. C'est pas terrible. Et voilà, le petit Stitch et le Lapu-Lapu. Tu veux toujours un photo? Oui. Mais c'était mon cocktail. Bah goûte. C'est dégueu. Ah bon? Il y a du rhum noir, des jus de fruits tropicaux. J'avais pas vu. Et avec un autre rhum. Donc non, c'est moi, rhum et jus de fruits. J'ai vu mettre 4 bouteilles d'alcool. Et ça serait une bouteille qui ressemblait à du jus tropical. Mais... ça ouais. Mais normalement c'est rhum et rhum. Ah bah tiens, tu peux tout boire. T'es voir? C'est bien rempli. Allez, on va goûter ça. Lapu Lapu ne veut pas finir, je fais que boire, mais je crois que les glaces sont fondes. Bon, et du coup, toi, il est comment le Stitch? D'abord là, on va pas t'entendre. Regardez ça. Vas-y, 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 vas-y. Regardez. Non, il est pas exceptionnel. C'est un cake. Hein? Ah ouais, t'as fini. Ouais. C'est, pour moi, c'est juste un cake recouvert d'un chocolat bleu. C'est plus beau que bon. C'est bien, hein. Il est de quelle couleur le cake, t'as dit? Bleu. Tire la langue pour voir. Mais non, mais attends pour voir. Oh, elle sourit. Attends. Oh, putain. Ah oui, sans blague. Il est naturel, ton. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai pas mangé. Mais j'en ai mangé un bout. Ah ouais. C'est pas vrai. Mais moi, par contre, je l'ai trouvé très bon. Il est sec. Oh, il est sec, mais. De goût, hein. Juste de goût, il est vraiment bon. Moi, je suis pas trop sucrée, mais j'ai beaucoup aimé, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il est fort. Il est fort, ouais, non, mais c'est vrai. Normalement, c'est vrai qu'il y a deux trucs de rhum. C'est vrai qu'on a vu prendre plein de trucs, ou alors. Tiens, c'est possible? Oh non, non, ce soir, je vais manger des mac and cheese. On s'est dit qu'on a dépensé chacun 40$. Isa, c'est 40$, c'est parti dans son Lapu Lapu à 20$. Il y a 20$ et on a laissé 3$ de. En fait, on a payé 23. Tu veux voir le ticket? Donc c'est 19, 17. Non, c'est 18, c'est plus les taxes, plus. Quoi? C'est intéressant de filmer ta jambe. Je filme pas ma jambe, je filme le ticket. 3, on a laissé là, du coup, 3,24. D'habitude, on laisse toujours. On fait entre les deux. On prend entre les deux. Mais on arrondit pour que le total soit un montant juste en fait, ça nous saoule les virgules. Mais là non, on se dit bon, tant pis, on laisse 18%. Donc en fait, avec 18%, il revient à 22,41.
quand même. Mais honnêtement, vous buvez à deux facilement, très très facilement. Parce que c'est vrai que c'est fort. Et ça fait 20 minutes que je bois, il descend pas ce truc. Il ne descend pas. Et il y en a encore. Tout ça. Et c'est les glaçons, ça fait monter. Il faudrait demander sans glaçons. Après, c'est bon, mais c'est vrai que c'est fort au fait. On a mangé que ce midi, je pense qu'on aurait dû prendre. Il faut aimer l'alcool. Hein. Non, aimer ce goût-là en fait. Et le rhum. Aimer le goût de l'alcool. Prenez-en un pour deux et avec un petit truc d'accompagnement, ils font des sushis, un carpaccio de bœuf, ils font des petits nems. Ceux qui veulent, moi je vous le dis, les yeux dans la caméra, ce bar, je n'aime il pas. Est tombe. Je suis là depuis 10 minutes et je n'aime pas ce bar. Il y a un truc qui est bizarre, c'est vrai. C'est un bar. Attention, qu'on n'a pas visité tout l'hôtel. Il est très grand. On est juste là de passage. On devait juste aller à la boutique et finalement on fait un tour dans l'hôtel. Mais c'est un bar de luxe, c'est vrai. Et pour déjà passer ta commande, tu sais pas vraiment où aller. Tu attends très longtemps pour pas grand chose. Et après, bah, soit tu es installé au bar. Je pense finalement ce qui est plus sympa. Soit t'as quelques tables là, mais tu te batailles pour en avant. Ou tu as derrière pour te mettre. Mais c'est même pas prévu pour normalement être derrière. Alors ça fait pas un bar. Ça fait pas un bar pour ce prix-là en fait. C'est ça. Non. C'est ça. Ça fait pas assez cocooning ou ça fait pas assez. Non, il manque un truc. Ouais, il faut hurler pour se faire entendre. Quand tu veux te donner le nom de lounge, on donne à tort et à ah travers. Oui, là c'est pas un lounge, là que c'est pas du tout un lounge. C'est un bar de passage. Ouais. C'est ça. Il est vraiment situé entre le Oana, la montée des marches, un autre. Là-bas, ils ont leur. J'ai l'impression que c'est un petit buffet qu'ils ont. Attention, le cadre est beau, mais c'est bruyant et ça vaut pas. C'est pas un lounge. Le cadre n'est pas assez beau pour ce qu'ils proposent en fait. C'est ça. Pourtant, on n'est pas trop critique, hein. Mais là, ça. C'est bof. C'est très bof. C'est très beau. C'est joli, les cocktails sont très beaux. C'est ça. Et encore, on a eu la chance que là, la table se libère. Sinon, on restait debout, en fait. Bah, comme au Gaz Cantina. Hein. On a payé 30 balles, on était serrés comme des merdes, et on était debout. On avait deux. Honnêtement, dès que les réservations ouvertes, on a réservé directement deux fois. Et en fait, hier, on a annulé l'autre réservation qu'on avait pour demain. Je crois que c'est pour demain. Ouais, c'était pour demain. On l'a annulé. Parce qu'on s'est dit, en fait, on paye pas mal cher. L'ambiance, elle est très sympa. Allez-y au moins une fois. C'est vraiment à faire. L'ambiance, elle est géniale. Le cadre, il est génial. Les boissons, elles sont bonnes. Une spéciale, j'ai eu peur, en fait, à un moment, parce que ça me faisait un effet spécial. Mais c'était cher pour ce que c'était. On était serrés et on restait debout. Et on n'apprécie pas trop ça quand tu payes aussi cher, en fait. Donc on a annulé l'autre réservation. Mais... Là ouais c'est ça le petit point noir. C'était bruyant et ça n'a rien d'un lounge. C'est un brouhaha infernal. C'est pas un lounge en fait. Hein? Mais ton Stitch, moi j'ai bien aimé, la peau est bon, mais pour le prix, le cadre il est décevant en fait. On aurait peut-être dû en fait prendre les trucs et partir sur la plage devant, comme là où on avait vu le feu d'artifice, où on a vu un moment un spectacle là, derrière là. Quand j'ai été voir s'il y avait des places là-bas, on était là et j'ai vu un spectacle avec un Hawaïen ou un Polynésien, non, un Polynésien faire de feu. Donc on aurait peut-être dû prendre les trucs et partir dehors en fait. Voilà, c'est tout. Ouais, du coup après on va finir ça si on finit et après on retourne à l'hôtel. Le monorail peut-être. Bah, pour aller où? À Magic Kingdom. Oh, il est long le monorail. Tu as dit que tu avais pas. Bon, du coup ça fait une heure qu'on est là, on est d'accord. J'ai toujours pas fini. Si vraiment vous voulez un lapou-lapou, à moins de vraiment avoir très 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 soif, prenez-en vraiment un pour deux. Vraiment. Au pire, prenez-en après, mais un pour deux, ça suffit largement. Je suis toute seule à le boire. Il finit pas. J'en peux plus. Il ne finit pas. Du coup, ça fait une heure qu'on est là. Alors, on a commandé des gyoza. C'est pas à la carte, parce que là, ici, ils proposent, comme je vous ai dit tout à l'heure, carpaccio, un ceviche,
des crevettes, des nems. Mais vous pouvez avoir des gyoza parce qu'ils sont faits juste au restaurant à Loana, juste derrière. Donc ils peuvent vous en ramener ici. Donc n'hésitez pas à demander si vous préférez les gyoza plutôt que ce qu'il y a à la carte. Allez, bon appétit. Il n'en voulait pas, hein. Il n'en voulait pas, il était déjà en train de me les manger. Je vais dire si c'est bon. Il n'a même pas fini son gâteau. Je vais vous dire si c'est bon. Vas-y. Okay. C'est trop chaud, tu vas être plein. Ils sont à quoi? Il y a beaucoup d'ail? Il y a du goût, c'est bon? C'est honnêtement, ils sont excellents. Oh, c'est vrai? Ouais, ils sont excellents. C'est vrai? Ouais, c'est pas ce qu'on avait eu quand on est au Anna? Bon. Voilà. Ouais. Et la sauce, elle est un peu piquante, hein. C'est un peu relevé. Mais juste ce qu'il faut. Hein. Parce que toi qui n'aimes pas le piquant, ça passe, non? Bien sûr, oui, oui. Donc c'est très très bon. Et du coup, il y en a combien? Il y en a 8. Bon, vous prenez un la poule à coup pour 2 et une assiette de gyoza pour 2. Et vous avez votre apéro, repas. Quand vous rentrez à l'hôtel, vous prenez un petit mac and cheese kids et... Tu sais que tu saoules tout le monde avec tes mac and cheese? J'en ai jamais parlé, je crois. Ah ben moi, tu m'en parles. J'adore les mac and cheese. D'ici, départ. Les hôtels. Si vous allez au Coral Reef, il y a des mac and cheese au homard. C'est très bon. Prenez-les. Non. Oh. Tu m'en as pas. Hein. J'ai faim. Tu n'en voulais même pas. Mais... Donc déjà, t'en as eu un. Voilà la répartition correcte. Tu n'en voulais pas. J'ai tué un truc. Non, j'ai pas faim. J'ai pas soif. Qui c'est qui paye? Allez, donne-moi ça. C'est le Magic Pen. Il est relié à quelle carte de crédit, Magic Pen? Voilà, tiens, c'est jamais débité. Allez, donne-moi ça. Non. Mais donne-moi ça, j'ai droit à au moins la moitié. Arrête, Chouli. Je rigole même pas avec la bouffe, en fait. Tu me remets. Merci. Arrête. Mais ça va, c'est bon, arrête. On se retrouve dans une heure à Magic Kingdom. S'il n'y a pas de soirée, qu'est-ce que c'est comme quoi? On doit passer à Magic Kingdom. Ouais, mais là, après, je rentre, chérie. Hein. Chouli, pour prendre le bus, tu dois aller à Magic Kingdom. Oui, mais je rentre pas dedans. Tu es devant. Est-ce qu'elle va réussir à me convaincre? Non. Il n'y arrivera pas, tu sais. Bah, c'est pas gentil. Il nous reste 2 jours et tu vas me gâcher mes vacances parce que tu ne veux pas rentrer dans le parc alors que bon, tu veux t'annoncer. Bon, ça va, ok. Pour toi, j'accepte de faire un effort. Mais. Mais, voilà, tu vois. Je suis gentille, mais... Mais tu m'en dois une, voilà. Non, qu'est-ce que je te dois? Tu m'en dois une? Je te signale que les cartes, c'est pour tous les deux. Il nous manque 3 cartes, et c'est pour tous les deux. C'est vrai, c'est vrai. Bon. On se retrouve à Magic Kingdom, à Mickey's Sorcerer. Je suis endormie, là. Sur mon sac, je sais pas si vous voulez, là je me suis endormie dans le bus, de toute façon on est que 4 dans le bus. Donc on a pris le premier bus qui arrivait, du coup c'était pour Hollywood Studios, ça me rapproche déjà beaucoup de notre hôtel. Chouli, je refais pas un tour hein. Alors on va dégager et on va chercher pour Caribbean. Thank you, bye. Et on va chercher pour le Caribbean Beach. S'il n'est pas là, on va prendre le Skyliner. Mais du coup, vu où on est déposé, je n'ai même pas envie d'aller chercher le Skyliner qui est là-bas. On va rester par ici. On aurait dû demander à quelle porte c'était. Choubi, on peut faire vite. Pop Century. Regarde, ils font coucou au bus. Ils ont fait coucou au bus. Et le chauffeur. Ciao. Oh, on est au fond. Attends, mais nous on n'est pas là? Port Orléans. Oh, Port Orléans! Ça c'est vraiment notre gros coup de cœur, il n'y a pas à dire. On préfère. Pas de beaucoup, mais on préfère le Port Orléans que le Caribbean Beach, clairement.
Et le food court, il fait pour beaucoup. Caribbean Beach, on est là. Mais il n'y a personne, ça pue. On se met là? Je sais pas. Après, on devra prendre le bus. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le Skyliner? En fait, on prend le Skyliner, mais regarde si tu le vois arriver quand même. Si tu le vois arriver, il faut qu'on le prenne. J'en ai marre. En plus, je crois que je commence à être enrhumée. Rien ne va plus. Non, All Star. Oh, j'ai pas envie d'aller jusqu'au Skyliner. Non. J'ai pas envie d'aller. Non, j'ai pas envie d'aller jusqu'au Skyliner. J'ai tellement envie de... Ouais, je sais. Non, j'ai envie de rentrer. Je passerai. On doit rentrer. On doit prendre le bus interne pour arriver à la chambre. Non, de la possible. Chambre, on doit aller prendre les mugs pour remplir d'eau. On n'a absolument plus une goutte d'eau pour la chambre. Mais du coup, vu qu'on doit passer au food court, peut-être que je prendrai quand même des mac and cheese. Oh. Allez. Bon, on vous filme pas le sky, hein, on l'a déjà filmé. C'est toujours pareil. Oh, dommage! Dommage qu'on l'a pas eu! Les gens fous, c'est toujours pareil, la rabat-joie! Sitch! Oui, on l'aurait pris il y a 10 minutes avant, ça aurait été chouette parce que ça se trouve en montant, on aurait un peu vu fantasmique, non? Un peu loin, tu crois? Non, on l'aurait vu, je pense! On l'aurait vu! Il y a pas beaucoup de vues à ce moment-là. Y a encore moyen! Si, il y a encore moyen! Ouais! Si le feu d'artifice, on vous montre. Oui, il y a quelques pétards! Mais en montant, ça se trouve, on va voir le spectacle. Non, moi, je parle il est quelle heure? Il est 10? De pétard. Il est 10? Non, feu d'artifice, c'est bon. Je vais fier. Hein, Choubi, il est quelle heure? Donc, arrête de me demander. Il est quelle heure? Il est 13. Ouais, il y a encore 5-6 minutes de spectacle, je sais pas trop. On va en avoir un direct, il y a personne. On vous le montre si on voit quelque chose. A tout de suite. Bon, pas. Hi, too. Wouh, on a une cabine sans truc. Du coup, si on voit des pétards, on pourra vous montrer. Je veux dire, on a une cabine sans truc. Du coup, s'il y a des feux d'artifice, on pourra montrer. Oui. S'il vous plaît, faites vite, j'ai envie de faire pipi. Tu crois qu'on va avoir quelque chose? Si on a un, oui. Hein. Là, on va voir. Bon, là, vous avez des beaux reflets. C'est inutile. Attendez, quand on va partir en l'air, on va voir. Je suis sûre qu'on va voir le spectacle. Est-ce qu'il est pas loin? Il est pas loin. Vous allez voir. Il lui dit que non, mais je suis sûre que oui. Attends, là, on reflète, on voit les arrêts de bus. C'est pas le Beach. Attends. Welcome aboard the Disney Skyliner at Disney Hollywood Studios. We are on our way to Disney's Caribbean Beach Resort with connecting flights to Epcot International Gateway, Disney's Pop Century Resort, and Disney's Art of Animation Resort. We hope you enjoyed your visit to Hollywood today. Bon, on commence un peu trop à s'éloigner là. Ça va pas être bon. On ne va pas du tout en voir. Dommage. Tant pis. On pourra pas vous montrer. Mais demain, on sera au lieu de studio à 22h pour le show de Star Wars qu'on avait fait l'année dernière. Et on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Il était vraiment bon ce spectacle. Oui. On vient juste de sortir de Skyliner. Bah, 2 minutes avec, après que j'ai coupé en fait. On passait pas du tout au Riviera, on allait direct à notre hôtel. On sort, on rentre dans le bus, on est les seuls, il nous demande où il va, il nous dépose, voilà. C'est génial. On va vraiment pas attendre. C'est-à-dire que là, en 2 minutes, on est... Dans 4 minutes, on est à notre chambre, on prend les mugs, 5 minutes, on va à 7 minutes, on récupère 8, 9, 10 minutes. Dans 20 minutes maximum, on est au lit. Génial. Mais il est tôt en plus, hein? Il est 8h? Il est 8h? Ouais, il est 8h. J'ai l'impression qu'il est 1h ou 2h du mat, vraiment.
on va aller dormir super tôt et demain à 6h on va être en pleine forme. On va se réveiller encore avant le réveil. Allez, on vous montre ce qu'on prend au food court, si on prend quelque chose. Oh, le bus. Réclamation. Réclamation. On monte. On est deux. Il nous demande où on va. Martinique. Parce que de toute façon, c'est toujours le premier arrêt qu'ils font. Qu'importe où on démarre, c'est Martinique. Même le bus interne. On pense qu'on y va. Non, non. On va d'abord Jamaïque, puis... C'est quoi après? Aruba ou je sais pas quoi. Enfin, un autre après à Jamaïque. Et puis après, on va où? On retourne au Skyliner. Ah oui, il y avait du monde, fallait les prendre. Mais t'es on aurait mieux fait d'y aller à pied. Non, mais quand tu suis un parcours, pourquoi tu fais deux arrêts pour retourner d'où tu viens? T'es censé tout faire. Ah, il s'est dit qu'il y avait du monde à côté, qu'on était que deux, donc... Ouais, mais les gens d'à côté, ils savaient marcher 100 mètres, ils avaient un autre arrêt, parce que c'est même pas des gens qui viennent en Martinique, c'est des gens qui veulent reprendre un bus pour Magic Kingdom. Et ils faisaient 100 mètres, même pas 100 mètres, mais même pas en fait. 20 secondes de marche, ils traversaient, et ils étaient à un arrêt. On a été les prendre. C'est pas juste, nous on est fatigués. Il nous a demandé où on allait, il nous a pas déposé. Peut-être que ces gens-là aussi étaient fatigués chez nous. Non, ils vont à Magic Kingdom. Ils sont pas fatigués. Voilà. Du coup, je sais pas si j'aurai mes mac and cheese. Parce qu'il me reste encore un sandwich. J'ai dit que j'aimais pas le gaspillage, mais on me dit qu'il veut pas manger le sandwich. Alors je vais devoir manger le sandwich. J'aurai pas mes mac and cheese. Parce qu'il se dévoue pas pour manger mon sandwich. Hein? Mon Dieu, tu n'auras pas tes mac and cheese. Non. Demain soir, on n'est pas là et après demain non plus. Plein? Non, j'en ai pris un petit bol. Bah, putain, t'es un menteur. J'en ai pris un petit bol à emporter en kids. Et la première fois que j'ai pris, c'était un gros bol adulte. Même que j'ai dit, c'était une soupe de mac and cheese. Donc j'en ai pris deux fois. Non, deux fois. Un gros et une petite. Mais rien à voir, c'était pas dans un pot mac and cheese. Moi, mais avec d'autres trucs. Sinon, j'en ai pris deux fois ici. Et du coup, bah, je pourrais plus en prendre. Tant pis. Il n'est pas gentil, il n'est pas gentil. Ah, je sais pas si on a rentré. On a rajouté quelque chose. C'est une blague. Ah non, ils sont passés faire la clim et c'est comme ça. C'est une blague. Putain. Et du coup, on voit tout le bordel de notre chambre. Alors qu'on ferme toujours les rideaux. Ils sont venus ouvrir et allumer. Viens, rajouter ça. Un petit peu popcorn. Oh là. Mais pourquoi ils m'ont mis ça comme ça? Mais enfin. Il était pas là, mon ballon. Voilà. Restez là, ballon. Bon, ferme les rideaux, là, putain. Vas-y, les gens, ils ont vu notre bordel. C'est la honte. Oh, ils sont pas gênés. Sérieux? Ah, j'aime pas ça. Et là, tu m'entends pas, peut-être. Et le ticket bordel. Quoi? Et là, aux gens, tu m'entends. Non, je couperai. Bah, le bordel, en fait, c'est sur la table, quoi. Bon, finalement, on n'avait pas faim, on n'avait pas soif. Il s'est déjà bu un mec de coca, qui l'a vidé, qui l'a rempli d'eau. On est parti se prendre. Lui, il n'avait absolument pas faim, il voulait pas mon sandwich. Du coup, j'ai pris des mac and cheese. Il a voulu aussi des mac and cheese. Du coup, on est ressorti avec une grosse portion de mac and cheese. Et on a déjà été prendre le petit déj pour demain, parce qu'on est retombé sur les fameux brownies qui sont délicieux. Donc, on a déjà le petit déj pour demain. Bah, tu te fous de moi? Non, mais on a demandé des mac and cheese. Bon, on va voir ça. Non, non, attends. Non, Bruni. Bon, attends, parce qu'il y avait déjà marqué ça avant qu'on arrive. Bon, voilà, il est 9h30. On est rentré dans la chambre, on a vite été commandé. On s'est douché, maintenant on s'apprête à manger. Avec un épisode de Big Bang, donc on a pris un plat, enfin une portion de mac and cheese, mais adulte, plutôt que de petite. Voilà, du coup ils nous ont mis deux breadsticks, soit parce qu'il y a celui-là qui est raté, soit parce qu'ils ont vu qu'on était deux, je ne sais pas. Et pour moi après, il y a encore un cornichon piquant et un pickles normal. Voilà, je raffole, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, on va manger, je pense qu'à 10h ou 10h30. Dodo. Oh dodo. On sera en pleine forme demain pour Epcot et Hollywood Studio. Ah, faut pas que ça soit demain. Bonne app. Non. Il reste deux jours. Tu dormiras dans l'avion si t'es fatigué. Au lieu de faire un marathon des films. Allez, bonne app et on se retrouve demain matin en sortant de la chambre.
Ciao. Ciao, ciao.